Bienvenue dans cette saison 3 des Nerdeux, Xanos, comment ça va? En effet, ça va très bien, mon bon ponf. Allos en t-shirt, la nouvelle connexion. Exactement. La nouvelle connexion. Les nouveaux GG qui sont arrivés, les GG de Noël. Les GG de Noël. Qui, santé messieurs. Qui sont arrivés pour Noël bientôt sur la boutique eBay, évidemment. Underdogs saison 3, c'est parti. On a du lourd au niveau du player pool, puisque nous avons trois petits nouveaux, Lilbo, Downfall et Shubs, ouais, qui sont les trois nouveaux qualifiés d'Underdogs. On rappelle que Minimat, Jason et Minicro se sont inclinés dans ces Underdogs. Et que du coup, eh bien, voilà, on a trois nouveaux Underdogs qui rejoignent les cinq précédents. Marine Lord, Daishi, Neo Angel, Fire Cage et Denver qui, allez, qui s'était foulé le poignet, mais qui reste qualifié. Et là, donc, on va justement retrouver Marine Lord, excusez-moi, contre Lilbo. Marine Lord qui vient de passer nouvellement Millennium, si vous avez raté l'information. Je crois qu'elle est parue aujourd'hui, l'information. Oui. Donc c'est du tout neuf, c'est du tout chaud. Donc voilà, Marine Lord qui est passé Millennium. Bah écoutez, un gros GG à lui. Faut dire ce qu'il y a, hein, Millennium c'est quand même la meilleure équipe française, la plus grosse équipe, celle qui a le plus de moyens et celle qui peut le plus, qui est le plus à même de porter les joueurs vers le haut niveau. Et qui souvent, donc, gros GG. Et qui souvent ne fait pas des recrutements au pif. C'est et, vrai. Les Wellings, le pif justement. Le nez creux, ouais. Sacré les Wells qui et révèle souvent des gros talents. Voilà, comme Stefano, où il s'était vraiment pas trompé. Également. Ouais. Même son recrutement coréen de Fort GG. Faut être honnête, il y a beaucoup d'équipes européennes, pour faire très courte, qui ont voulu choper les joueurs coréens et qui s'en sont pas toujours bien sortis. Et Fort GG, c'est quand même un bon recrutement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, un gros GG à lui. Dis à Kerry qui s'inquiète pas si je suis pas une. Donc voilà, première game Marine Lord contre Lilbo. Lilbo, d'ailleurs, on vous a casté une petite game pour que vous pouvez voir le bracket. On vous a casté une petite game aujourd'hui là, que vous pouvez retrouver sur... sur YouTube. Sur YouTube, voilà. Vous verrez qu'il est très sympathique contre Jack G. Vous nous direz ce que vous en avez pensé sur les commentaires. Oh, clairement, Lilbo qui envoie le bois ici, qui envoie le beau. Ouais. Et qui va jouer contre Marine Lord, un des favoris de cet Underdog saison 2 quand même, avec Firecake et probablement, évidemment, Daishi. Kleenex qui ne quitte. Kleenex, il crie Millennium depuis 3 minutes. Millennium. Et une nouvelle recrue, et il doit être content, un nouveau camarade de jeu, ouais, pour faire plus de pâté. Et c'est parti, Lilbo. Sur Frost. Contre Marine Lord, sur Frost. Une bonne première map. Moi, j'aime bien les maps à 4 points de spawn au début, parce que voilà, je trouve que c'est vraiment... vraiment représentatif, typique de, voilà, chacun peut un peu faire ce qu'il veut, on peut un peu se renifler, on peut un peu regarder comment joue l'autre et compagnie, et on peut se permettre, du coup, si on est macro, de lâcher son jeu totalement, parce qu'on sait que, bah voilà, il y a peu de chances d'être scouté au début. Donc, map à 4 points de spawn pour commencer, je trouve que, voilà, c'est des bonnes maps. Le joueur agressif peut tout de suite montrer sa carte, regarde, je suis un fourbe, et le joueur macro... Est-ce qu'on a un écran de retour ou tu es toujours sur notre gueule? Le contrôle. Ah, il attend le skill. Il attendait le contrôle. Et donc c'est parti. Frost, ouais, comme tu l'as dit, en bas à droite, Marine Lord de la team Millennium qui est venu envoyer le Boa et Lilbo nouvellement qualifié. Là, c'est un BO3. C'est ça. C'est un BO3 et c'est éliminatoire directement. Il n'y a pas de deuxième chance dans, ouais, Underdog. Ça rigole pas. Ça ne rigole pas. Tu as le skill tout de suite ou tu ne l'as pas. Et il faut arriver déjà chaud. Il faut arriver préchargé pour tes games. Puisque ça peut se finir en 20 minutes, hein, un BO3, ça peut se passer très rapidement aussi. Et Marine Lord, c'est un des meilleurs terrains après Daishi, probablement. Clairement. Sinon, le deuxième. Ouais, bah la preuve, hein, d'ailleurs, il a eu son recrutement, donc c'est que il y a l'air d'avoir des gens qui croient en lui. Et c'est vrai que Marine Lord, c'est vraiment un joueur terrain qui monte.
à voir ce que ça va donner. En plus, dernièrement, c'est bien, parce que j'ai envie de te dire, les icônes terrain sont un peu de retour. Hein. On a MMA qui nous a vendu du rêve, et voilà, il avait vendu du rêve au début aussi, rappelez-vous, dans Iron Squid 1, donc ça fait toujours du bien de retrouver un peu ses premiers amours. On a Teja aussi qui revient très en forme, Innovation qui nous a apporté ses build order, vraiment son côté carré et son gameplay de dingue. Bomber aussi, toujours avec ses Marines qui arrivent. Donc c'est cool en plus, je trouve, pour les Français, même pour des joueurs comme Daichi, parce que voilà, les icônes sont de retour et il y a un truc à aller gratter. Il y a un truc à aller. Faut que je sois meilleur que ce mec-là. Et c'est toujours bon d'avoir un adversaire plus fort que soi et. Au moins, t'as vraiment du taf, quoi. Non, clairement. Clairement, la compétition qui va être rude. Et en haut de la pyramide, bien il y a Teja ou ouais. Innovation, ça dépend comment tu vois les choses. Petit scouting sur la droite, dans on va dire le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Ouais. En mode contraire et double Rax envoyé directement par Marine Lord. Lilbo de son côté va rester sur une seule base, poser son troisième pylône et probablement débloquer some kind of tech. Un peu de technologie à un moment donné, Anos. Ah ouais, bah écoute, à ce stade, ça sent Nexus plus MC. Donc Mothership Core et le petit Nexus tranquille. Donc on va voir. Tiens, le Mothership Core qui vient d'être envoyé, voilà, c'est ça. Donc il la joue macro, il la joue piste, il beau. C'est comment dire, c'est plutôt standard. Et c'est bien fait, il le fait en double gaz. Donc comme ça, il est vraiment safe, on va dire. Et puis en plus, derrière, il va pouvoir voir sa technologie rapidement. Donc c'est un bon choix. C'est même un très bon choix sur Frost, c'est équilibré, on va dire, comme départ. Et triple Rax envoyé, toujours pas de gaz pour le Terran, pour l'instant. Il devrait prendre maintenant, là, son double gaz. Et ouais, donc équilibré pour l'instant, un début de game assez classique. Ouais. Dans le metagame actuel. Ouais, mais il a fait CC First, en fait, Marine Lord. J'avais pas fait attention, mais là, c'est un CC First, ça, hein. Non, il a posé ses deux Rax. Non, il a d'abord posé ses deux Rax, ok. Donc il a fait One Rax Expo, il a rajouté une Rax, il a rajouté la troisième après. Ouais. D'accord. En tout cas, départ très, très standard de toute façon pour Marine Lord. Voilà, les deux gars qui arrivent tout de suite derrière. Il va après envoyer son Laptech, son Steam. Alors, est-ce qu'il va faire un petit timing intermédiaire ou pas? Ça va être là la question. Là, le timing intermédiaire est assez tendu, puisque vous l'avez vu, le Mothership Core est arrivé assez rapidement, mais Marine Lord l'a scouté, hein, vu qu'il a vu le double gaz avec son Worker. Donc, écoutez, à première vue, il a pas scouté quelque chose de trop greedy, donc il n'y a pas de raison qu'il fasse de l'intermédiaire. Et j'ai envie de dire grand bien lui en face, hein, parce que là, le Mothership Core, vous l'avez vu, il est sorti tôt, donc normalement, il n'y aura vraiment aucun problème pour Lilbo si jamais il n'y a que du Marines qui vient. Le Warp Gate qui va se finir, pas de pylône encore en production, en même temps, on aurait peu. Le petit plus 1 aussi, ça, c'est ça, j'aime ça. Et le plus 1 d'attaque. Donc là, il a gratté quand même. Là, il a dit, tu vois, ce plus 1 là, attention. Cadeau. Ah, ça c'est dommage, mais c'est bien joué, Marine Lord, la position vraiment parfaite au-dessus de la rampe. On vous rappelle que les unités ne voient pas au-dessus, évidemment. Et donc forcément, les Marines qui lui tombent dessus, le Stalker qui n'a pas le temps de back. Très bien joué, le timing intermédiaire de la part de Marine Lord qui part. Alors attention, parce que là, il y a le MC qui est hors de position. Et il a fait sauter sa technologie première, il a préféré faire le plus un attaque. Donc ça, c'est une très bonne chose pour le timing 9 minutes 30 quand les Medivac arrivent. Mais avant ce timing-là, c'est plutôt un petit signe de faiblesse. Donc normalement il n'y a pas de problème. Normalement il n'y a pas de problème. Il va l'envoyer son photon charge. Mais attention quand même, là, sur un malentendu. Faut juste pas se faire gratter. Loin, noyau de vaisseau mère. Joli force field ici. Très bien joué. Oh, il perd le Stalker quand même. Donc pas si bien joué que ça au final. Même si le force field est vraiment nickel. Ouais, Lilbo qui a bien défendu ici. Marine Lord qui était prêt à venir sniper le nouveau vaisseau mère. Et sans noyau de vaisseau mère, pas de photon overcharge. Donc vraiment. Ah ouais, là par contre ça aurait été problématique. Là. Grosse galère. Ouais. Donc belle réaction de la part de Lilbo qui ne se laisse pas faire sur ce coup là et qui va repousser pour l'instant le push terrain avec deux stalkers. Là, il a clairement de quoi les repousser ad vitam aeternam, puisque l'arme a une meilleure portée de. Ad vitam aeternam, t'as dit du latin. Ad vitam aeternam, jusqu'à la. Au bout de la vie. C'est du latin, c'est ça? C'est la même. Non, parce que j'ai fait du latin. C'est du latin. Mais j'étais pas très concentré. Oh mon dieu, j'en ai fait. Latin. Rosa et tout ça, là. Non, j'ai pas fait de latin. Moi, je connais juste des trucs comme ça. Ouais, des phrases. Ce que t'as lu. Hein, coquin, c'est ta culture générale de base, mais je sais tout de toi, enfin. du coup, très intéressant, ce que j'aimerais dire, c'est au niveau de Lilbo, si on peut remettre la production. Voilà, Lilbo qui gratte bien les upgrades quand même. Il a envoyé son conseil crépusculaire derrière. Alors, tu vois, c'était pour le charge. Moi, je pensais vraiment que c'était pour envoyer aussi un plus 2 et faire une certaine corrélation entre les deux. En fait, non, il va d'abord chercher le 1-1. Mais vous le voyez, charge de rapidement, le petit prisme de transfert. Donc.
Ah, du beau jeu là pour Lillebo, hein, parce qu'il s'est pas fait embêter sur le timing intermédiaire, donc normalement il devrait être prêt pour le timing 9:30. Petite tourelle prudente ici, on ne sait pas ce que Marine Lorne a dans la tête, mais voilà, il veut pas être surpris sur un popping d'oracle ou même de... Ouais, je sais pas si tu l'empêches de dropper quelque chose avec un prisme. Non, pas ici, en effet. Mais pour tout le reste, le positionnement est vraiment nickel. Why not? En tout cas, il n'est pas serein bon, et il s'attend à se prendre un truc très rapidement. Cadillot qui sont warpés. Ouais. Le timing qui est bon hein, de la part de Marine Lorne, très bonne macro. Là. Il arrive à 9:30, il va avoir ses deux medivac alors qu'il avait fait en plus un petit timing intermédiaire. Donc vraiment là, c'est bien ce qu'il fait. Il rate ça, Marine Lorne, c'est pas la première fois que je dois faire ça. Hein. Vraiment, il fait très attention à son timing. Il avance alors que les medivac sont pas encore là. Il veut être en position et pouvoir envoyer tout de suite son steam. Il sait que de toute façon le heal va arriver, ça j'adore, il gratte au maximum, sauf que malheureusement le charge d'autre qui a été envoyé, très belle item run de la part de Marine Lorne. Pour l'instant voilà, ça tient, pour l'instant ça tient un peu de perte chez le Terran. Et le Protoss qui est quand même en train d'attendre le prochain warping. Aïe, ah, Lillebo qui descend, il descend en bas, tu vois, ah, et ça c'est bon, il défend, très bien joué, très bien joué. La bubule qui est vraiment bien passée, parce que là, descendre en bas, c'était risqué. Hein. Il pouvait commencer à manger un petit split, un petit quelque chose, avec ce genre de zone en plus là, qui paraît sur rien, mais du coup, le terrain n'est pas si plat que ça. Il y a des petites ouvertures, donc très bien joué de la part de Lillebo, parce que tu sais que plus tu étires, hein, plus le Protoss court après le terrain, plus les Zealots s'éloignent des Stalkers, et les Stalkers s'éloignent du reste aussi, et plus fondamentalement, tu perds du DPS. C'est pour ça que c'est très dangereux hein, de suivre trop longtemps un joueur terrain. Non, clairement, et puis de toute façon, il récupère son rip-up, effectivement, donc ça peut en faire plus, très très mal. En plus, tu t'exposes au split et tout, très bon drop, là. Joli, très peu de zilotes qui tapent pour l'instant, j'ai pas l'impression que les kills étaient particulièrement monstrueux. 5 kills pour le joueur Protoss, néanmoins, qui accède à la ligne de migration de l'adversaire et qui va re-warper ici. Il fait mal, hein, il fait mal, hein, 3 maraudeurs là qui vont tomber, les workers qui du coup ne minent plus, surtout dans la B1. Et regarde, 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 là, c'est bon, ça rentre que maintenant dans le bunker. Une dernière, les Zealots qui ont fait pas mal de dégâts, pas tant que ça sur les workers, il est vrai, mais quand même, qu'on mis vraiment beaucoup de bordel dans la valeur d'armée de Marine Lorne. Quand même, 10 kills ici au niveau des workers, la note qui devient de plus en plus salée pour Marine Lorne. Et il est toujours là, le prisme, hein. Et il est toujours là, il a toujours de quoi avoir fait pendant ce temps drop de la part de Marine Lorne. Ça a été défendu très rapidement. Ah, ça joue bien les mecs, hein, ça joue bien vraiment des deux côtés. Attention Marine Lorne là qui va se défaire du drop. Il a encore le problème parce que le Warprisme est toujours là et il va repartir. Et il n'a pas de petit viking. Donc là il va être obligé de toujours laisser un peu de valeur d'armée dans sa main. Pendant ce temps-là, il bouge bien hein, sur la très belle défense de Lorne quand même parce qu'il était en double front depuis le début. Non, clairement, il était, avait des unités chez l'adversaire. On a moins montré voilà, ce qui se passait chez l'adversaire, mais ça bougeait beaucoup. Et donc, le Nexus a été cancel ici. Donc, ouais. Beau multitask. Joli move pendant ce temps. Et Marine Lorne, lui, qui a conservé sa, sa brase. Ouais, exactement. 56 workers à 55. Au niveau de la production, la B3 qui va bientôt se terminer pour Lillebo, qui est terminée pour Marine Lorne. Quelques archons qui sont là. Et attention, la puissance des dieux, la storm qui va arriver, les HT aussi qui peuvent répercussion, les medivac, et c'est du full drop pour Marine Lorne. Double double drop ici sur la base de Lillebo. Lillebo qui défend pour l'instant sur le drop du sud et qui va devoir défendre ici aussi. Ah, ça c'est un bon petit drop bien à l'extérieur. Il est sûr de bien déchirer toute son armée. Il sait qu'il a attiré toute l'armée au nord, donc normalement là, il est frais pour faire un maximum de dégâts sur cette B3. Très très bien joué, et ça canarde, et on remonte. Et normalement c'est au nord maintenant que ça va bouger au niveau du drop. Ouh, bah il y a intérêt que ça bouge parce que sinon ça va se faire couper en deux. Ah, Medivac encore vie, Medivac content avec ses 4 maraudeurs. Mais peu de pertes quand même infligées par ce push. Marine Lorne qui va prendre 6 probes à son adversaire. Donc j'ai envie de dire une. Non, ça tient bien. Un retour de bâton timide. Ouais, ouais. Lillebo qui joue très bien. 141 de pop à 137 normalement au niveau des ops. Mets-moi un petit coup de jet. Normalement, au niveau des ups, on a l'avantage pour le genre Protoss. On est de 1 contre 1-1, donc ça va. C'est pas non plus la débandade pour Marine Lorne, mais il faut quand même le signaler. Allez, ce petit drop qui peut refaire mal dans la B3. On a quelques troupes à côté. Ah ouais, ça c'est problématique. Et hein. Ça a été vu, j'ai l'impression, par ce pylône. Il faut pas qu'il la donne, cette valeur d'armée-là. Là, il est un peu juste, Marine Lorne, en termes de valeur d'armée. Oh, joli Marine Lorne qui ne tombe pas dans le piège et qui va pas backer son armée. Du coup, il va en récupérer une bonne partie. Ouais, c'est pas mal. Mais encore, encore un ras un peu glissant de... Bah, il a du mal à match. Marine Lorne. Ouais, ouais. Il a du mal à vraiment match et à trouver la porte d'entrée qui lui mènera un peu au cœur de la base Protoss. Et attention ici quand même, attention. Bébé. Il peut y avoir un beau positionnement pour le joueur Terran. Bébé, petite bubule, mais elle est trop loin. Très bien joué de désengager. Et pendant ce temps, ça continue le prisme de warping.
Ah, parce que là, il a pré-split Marine Lord. Faut pas sous-estimer ce joueur. En micro, il peut faire très très mal. Il a les unités les plus rapides. Ah, regarde, encore un pré-split. Les îlots qui avancent. C'est bizarre, on dirait, ils ont plus charge d'autres. Les îlots, là, ils ont été, je sais pas, ils se sont fait endormir. Oh, Warpé ici, joli. Mec, l'Ilman qui envoie le skill. Ouais, c'est dommage qu'il n'y en ait pas une de plus. Mais qu'est-ce que ça a bien fait mal. Attention, un autre écran de Warpage. Écran de Warpage, tiens. C'est écran de Warpage, une page d'écran. Une page d'écran, voilà. De Warping. C'est ça. Et pour revenir, renforcer la compo de Lilbo, et je crois qu'on a quand même 5 Archons à Nos. Donc autant te dire qu'il n'y aura plus d'Arconnerie. Ouais, mais attention, hein, parce qu'en face, je vois que le 2-2, là, il va bientôt se terminer, alors que le 2 n'est qu'envoyé maintenant qu'en défense. Donc ça veut dire que là, on est 2-1 pour un 2-2 qui va arriver. Et les Ghosts qui vont être envoyés par Marine Lord, belle, très beau contre. Concave, ouais. Et concave, le joli speed pour l'instant. Voilà, les deux Storms qui vont taper presque autant les élotes que l'Abdu Ball. Clairement. De Marine Lord pour l'instant, ça tient. Et mais regarde-moi ces deux bâtiments devant. Hein. Génial, ces deux bâtiments qui limitent vraiment l'entrée aussi bien pour les îlots que les archons. Attention, c'est quoi ce point rouge? Non, je te dis des bêtises, c'est qu'un bâtiment. Et oublions. Warp de îlots dans la main quand même. Quand et même. La B3, la poulain. De Marine Lord. La B3 qui va bientôt sauter. Les workers qui sont. Ils sont follow par deux îlots. Ils jouent à chat, mais avec des lames. Ouais. Donc, difficile. Et la transi Ghost qui est pas loin, hein. Marine Lord qui a la solution. Mais la question, c'est voilà, est-ce qu'il va y arriver? Il peut même produire des mines. Ça, c'est cadeau. Ouais, au niveau de la transi, il est plutôt bon. Surtout qu'on voit que du côté de chez Lilbon, c'est assez calmé hein, sur la technologie. Normalement, on voit un follow-up Colossus. Là, on le voit pas. On aurait pu voir aussi un follow-up aérien ou des choses comme ça si on veut aller plus loin dans la. On va dire dans le côté un peu funky. Mais non. Que nini. Pour le moment, on reste vraiment sur des unités gateway. Donc ça peut vraiment faire le jeu de Marine Lord. Gros bac instantané de la part de toutes les troupes de Lilbo. Et pas de kill. Attention, parce que les archons là quand même. Non, pas ça de passe. Kill encore. Ah là, il a pris sur des stalkers, mais malheureusement, c'était sûr qu'il n'aurait pas le temps de sniper là, le Medivac. Donc attention là, les petites unités qui commencent à faire mal. De plus en plus de probes qui tombent, les deux stalkers qui viennent tanker, mais il n'y a pas assez. Ça, c'est un coup à perdre 10 probes. Hein. Ouais, là, pour l'instant, ça fait le taf, la bioball qui est encore là, qui continue à focus fire, et on sent un Marine Lord qui est prêt à tout donner ici. 200 de PM pour le joueur Protoss. Et pour l'instant, bon, bah, je ne sais pas si ça fait vraiment le taf. En tout cas, au niveau des pertes, ça reste similaire, mais sur une bonne storm, tout peut s'inverser. Ouais, puis on peut se regarder, il fait des Vikings, alors qu'il n'y a pas encore Colossus. Donc là, c'est une petite erreur de la part de Marine Lord qui anticipe le follow-up qui ne vient pas, en effet. En tout cas, il tente bien et il maintient, bon voilà, le Haras, hein, il fait son taf. Ouais. Il le maintient chez lui et force est de constater que Lilbo, même s'il est à 200 de pop, n'est pas dans la base du Terran. Donc ça reste une bonne nouvelle pour le rouge. Non, clairement. Et puis attention à les Vikings qui sortent, c'est aussi une très bonne chose pour Marine Lord. Même s'il n'y a pas de Colossus, ça peut lui permettre d'atteindre dès qu'il aura ne serait-ce que 3, 4, 5 Vikings. La composition, beaucoup de Ghosts et tu snipes les Ops et du coup tes Ghosts sont vraiment rois. Donc du coup, il n'y a plus que le Stalker qui tient à peu près. Hein. Les Archons, tu les décimes et les Ilotes aussi. Et les Sentry, bon, Jack à la base, c'est quand même pas super épais. Donc attention à ça quand même là pour Lilbo, de ne pas s'enfermer dans une non-suite logique de technologie, on va dire. Même si j'aime pas trop cette phrase. Ah bah c'est pas totalement français. Je l'ai compliqué. Hein. Merci. Je ne te le cache pas. Merci d'avoir toujours comprend. Été honnête avec on ça. On comprend le but. Au niveau de mes lacunes dramatiques. Même là, je me on suis... comprend. En faisant on un comprend. Peu les temps, on comprend. C'est une langue. C'est pas la même langue, mais c'est pareil. C'est une manière de s'exprimer. Ah, pour m'excuser, le français est quand même une langue pas facile. Moi, vous savez, là-bas, je suis pas français. Comment Non, je suis français. C'est bien tout le problème. Complètement livré, clairement. Très Non, sinon je pourrais dire je suis. Je sais plus. Mais il y a une excuse. Non, qui non, passe non pas monsieur mal. Lotte, t'es complètement français. Tu n'as aucune excuse. Attention, bon. Les Ghosts tapent en premier. Allez, les EMP, masse EMP dans les archons qui ont bien touché quand même. 4 archons qui n'ont plus de boucliers. Et on n'a pas encore les storms quand même. Hein. On n'a pas encore les storms. Une petite, là. On vient de perdre 32 pop là-dessus. Attention, là, Lilbo qui reste à 188 de pop. Il reste une bonne bioball. Le problème, c'est que oh, les archons quand même qui sont dans le. Ils ont plus de. Lilbo qui fait super mal à Storm ici qui vient mettre une fin au débat de ces maraudeurs là. Et le GG. Lilbo qui. Lilbo, il est chao. Je suis dyslexique. Voilà, ça peut être une bonne excuse. D'accord. Et je ne suis pas réellement, mais je pourrais éventuellement. Vous le faire croire. Mais du coup, on voudra le si mot du médecin. Si vous êtes trop méchant.
C'est ça. Ouais, mais je peux m'arranger. Et une info qu'on n'a pas donnée en début d'émission, du coup, on va donner maintenant, pendant que la prochaine game se lance. Exact. Eh bien, c'est que nous avons annoncé sur Gaming TV aujourd'hui un nouveau tournoi pour début 2014. Il s'agit des Nationwares, les Nationwares, comme les appellent la qui vont bientôt, du coup, être baptisés. Dans les Nationwares, Nationwares, qu'est-ce que c'est? C'est 8 pays européens. De tête, donc la France, l'Espagne, la Russie, l'Allemagne, l'Ukraine, la Pologne, la Suède et la Russie. Je dis deux fois la Russie. Peut-être qu'il en manque. Possible. En tout cas, toutes les infos sont sur Gaming TV. 8 pays de légende, en tout cas en ce qui concerne les RTS, qui vont s'affronter le 17, 18 et 19 janvier 2014. C'est ça, sur 3 jours. Sur Gaming TV. Avec un format donc type GSL que vous connaissez, donc format Team Kill. Normalement, ça devrait parler à tout le monde. Survivor, c'est ça. Voilà, Survivor, c'est-à-dire que chaque fois, c'est du BO1. Chacun aligne un joueur, et le joueur qui gagne, il reste. Et donc, l'autre doit envoyer un deuxième joueur. Et dès que tous les joueurs sont tombés, c'est terminé. Alors, il y aura combien de joueurs par équipe? Il y aura 3 joueurs par équipe. D'accord. Donc, voilà, le petit visuel de Dr. Nucky. 6 000 Il y aura dollars. 3 joueurs par équipe et c'est vous qui les élisez, puisqu'ils seront en fait déterminés. Ça, c'est français, ça, c'est bien conjugué. Ouais, ouais. Et parce que ça vous les... parce que vous allez les élire. sur un sondage, qui proposera 5 joueurs par pays. Il y aura 5 joueurs, 8 pays, 40 joueurs au total. Et pour chaque pays, eh bien, la communauté votera pour en élire 3 parmi les 5. Et ces 3-là combattront pour le titre. Donc avec 600, 900, 1005 et 3000 dollars de cash money. Avec, du coup, aussi le trophée d'équipe la plus puissante du monde. En tout cas, d'Europe. En tout cas, d'Europe dans le monde. Et donc, donc ça, c'est un tournoi qui va avoir lieu début 2014. Ouais. Et du coup, c'est posé la question de comment sélectionner les 5 joueurs qui participent au vote, puisque donc, nous, on se propose d'aligner 5 joueurs qui sont, qui ont un avis de principe, un accord de principe pour participer au tournoi. Et ensuite, c'est la communauté qui élit les joueurs les plus, qu'elle trouve les plus cohérents pour représenter le pays. Et du coup, il fallait déterminer quels seraient ces 5 joueurs. Et du coup, comment on a fait? On en a invité 2, donc il va s'agir de Todd et Daichi. Et les 3 autres seront les meilleurs joueurs d'Underdog de cette saison, donc de la saison qui va se dérouler en décembre. Et pourquoi est-ce qu'on prend 2 minutes pour en parler? Ça veut dire que ça rajoute quand même pas mal d'enjeux à ces matchs, notamment à ce match-là, puisque c'est à simple élimination. Et ce seront les 3 meilleurs underdogs, donc hors Daichi. Si Daichi arrive à passer en finale de Underdogs, et bien ce seront les 3 d'après. Donc c'est très important d'accéder aux demi-finales et donc de gagner ce match. Ça fait prize pool plus un satellite, en fait, pour ceux qui jouent au poker et verront bien l'image. Donc c'est vrai que ça vous donne accès à un autre tournoi. Tournoi en plus qui va être fort sympathique parce qu'on va tout faire pour qu'il le soit. Et qui en plus, il faut être honnête, parce que les joueurs voient aussi les choses comme ça, qui est jouable, parce que voilà, pour le moment, il n'y a pas la Corée, donc normalement, ça reste assez free-to-play pour tout le monde. Et ça, il faut être honnête, hein, c'est important pour les joueurs aussi. Quand tu fais une compétition, ils aiment bien aussi voir quel est le niveau global. Et là, je trouve qu'on est sur du très bon niveau, mais pour autant, il n'y a pas de bon de joie. Il n'y a pas vraiment un mec qui domine tout ça. Les Russes sont forts, les Ukrainiens, les Polonais sont forts aussi. Les Suédois aussi, on sait qu'ils peuvent être très forts. Mais tout comme les Français, tout comme les Espagnols, par exemple, pourraient être très forts. Parce que Lucifron et Vortix, mon copain, déjà... Faut les taper, quoi. C'est de la qualité. En Pologne, j'ai appris que la Lucifron avait un petit coup de mou, là. Probablement. Mais ça arrive. Donc, mais ça arrive. Donc, mais, vraiment, mais en Pologne, Mana, Mercio, pareil, faut les jouer quand même. La Pologne qui nous avait piné quand on avait fait... Mana même. On avait fait un France-Pologne. C'était l'an dernier, je crois. Contre les...